Service militaire de mai 84 à avril 86. C'est un autre service militaire. À Blida. L'instruction à Blida, à l'époque, donc le commandant d'école, c'est le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne. C'était lui, notre commandant d'école. Il avait les passés de grade de commandant à lieutenant-colonel. Que Dieu lui pardonne le désastre dans lequel il a mené l'Algérie. Que Dieu lui pardonne. C'était notre commandant d'école. Coup d'État de 2017. Après l'instruction, nous avons été affectés pour une petite semaine de rien du tout. C'est un transit, on appelle ça un transit. Au service central de l'informatique de l'armée, à la Défense nationale, hein, Tagarin. Et de Tagarin, nous avons été remutés à Blida. C'est-à-dire, nous avons passé le reste de notre service militaire au siège de la première région militaire de Blida. À l'époque, dirigée par le général Mohamed Atayliya. À Donc, nous avons travaillé dans le service informatique. De la première région militaire dans des activités complètement bidon, débiles, dégoûtantes. À l'époque, il y avait un général. Il y avait un et un seul général qui avait le plus haut niveau de reconnaissance de patriotisme, d'intégrité, de probité et d'honnêteté. Il y avait un et un seul nom qui revenait, qui circulait, en termes de patriotisme, de probité, d'intégrité et d'honnêteté. C'était le général Hachmi Hajris, qui avait dirigé à un certain moment l'école de Cherchell, l'Académie interarmes de Cherchell. Il a été oublié dans la première vague de généraux. Première, c'était on était 84. Il y avait une promotion, une nouvelle promotion de généraux, dans laquelle le Hachmi Hajris a été inclus. Cette promotion a été appelée général, comme ça, dans les blagues, hein, dans les diversions, réelles, hein, diversion, mais qui avait un sens, une profondeur. Hein. Il appelait la promotion général Hachmi Hajris. C'était le général qui avait la réputation d'être le plus intègre, le plus honnête, le plus propre, le plus croyant, le plus pieux, tout ce que vous voulez. C'était l'unique. Donc, en tant qu'élève à Blida, à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, nous l'avons déjà cité, il y avait un ancien maquisard de 67 et 73, qui pourrait les 6 jours, du nom de Zerwal Mohamed. Zerwal Mohamed, nous ignorons, il est de l'Est. Il ne parlait qu'arabe. Maintenant, nous jurons devant Dieu que c'était le patriotisme qui marchait sur 2 pieds. C'est le patriotisme incarné. Il ne parlait qu'arabe, hein? Il ne parlait qu'arabe niveau ardoise. Hein? Il était notre instructeur d'armement. Wallahi, quand on le voyait, tous les élèves l'appréciaient. Il était un peu déglingué, c'est-à-dire quand il veut lâcher quelque chose, il lâche. Mais c'était le patriotisme, l'honnêteté, la générosité, la modestie personnifiée, surtout le patriotisme. Voici un général et un lieutenant. Est-ce qu'il y a plus de généraux de la trempe de l'Hachmi Hadjaris? Est-ce qu'il y a plus d'officiers de la trempe de Mohamed Zerouane?
dans l'armée algérienne pour avoir cette dignité, ce cours, cette audace de demander à ce qu'il soit géré par des hommes de ce type et de demander à ceux-là de partir. Voilà. Donc, il doit y avoir des généraux du type Al-Hajj Bahazaris, il doit y avoir des officiers du type Mohamed Zerouel, du genre, pour aider l'Algérie, s'en sortir. Donc,